Aujourd'hui, le vendredi 2 décembre 2022, il y a le Téléthon à Mâcon qui consistera à faire un triathlon indoor dans la piscine de Mâcon. Je vous emmène avec moi. Téléthon 2022 par le Triathlon Mâcon Club. Ok, donc là les gars, je suis parti pour ma séance course à pied. Je la fais pas dans la piscine parce que en fait la durée des tapis de course est limitée et moi ma séance elle dure une heure, donc je suis obligé de la faire dehors et il pleut un peu quand même, donc ça s'annonce pas non plus hyper fun, d'autant plus que je suis un peu seul, mais bon, on va quand même faire la course. Le programme de la séance s'affiche juste là. Voilà, vous pouvez mettre pause pour la voir si ça vous intéresse. Et c'est parti. Je reviendrai vers vous pour vous parler plus exactement du concept du Téléthon à Mâcon après ma séance de course à pied. De jeu inutile, je commence mes 10 minutes de gamme athlétique. Et là, je suis parti pour ma séance, pour mes 6 fois 100 mètres, une minute de récup entre chaque à allure course. Là, c'est pendant la récup, je montre bien que je respecte le temps de récupération, c'est très important. Respectez bien le plan d'entraînement de votre coach. Voilà, donc les gars, je suis déjà dans la récup. On est à 2 minutes 42 de la récup sur 5. Donc là, je rentre juste à la piscine, ça va me prendre 2 minutes. J'aurai fini la séance et on se retrouve dedans. Bon, de retour dans la piscine, je vais vous parler plus exactement du concept du Téléthon à Mâcon par le Triathlon Mâcon Club et les 1000 pattes. En fait, ce sera 4 heures de triathlon indoor de 20h à minuit et vous pourrez changer du tapis de course, home trainer, au bassin de natation comme vous le souhaitez pendant 4 heures. Moi, je ne vais pas faire quelque chose d'exceptionnel à part ma petite séance de course à pied auparavant, car je suis en plein changement de charge d'entraînement par semaine, alors je dois laisser le corps s'habituer.
Et oui, nous avions notre partenaire Air Running Cycle Passion qui avait fait le déplacement pour venir à Mâcon depuis Genève pour nous présenter plusieurs de ses produits. Alors c'est un magasin de running, trail, cyclisme, triathlon, natation, ski de fond, enfin bref, tout un tas de sports. Il se situe à Genève. Il possède beaucoup de produits de très bonne qualité et à des prix plus que convenables. Personnellement, je lui ai fait quelques achats et je ne suis toujours pas déçu. Il est de très bons conseils pour le choix du matériel. Il y a quelques mois, il m'avait aidé et je ne regrette toujours pas. Mathis Petitbon, que pensez-vous la suppression du prolongateur dans des courses internationales en triathlon, s'il vous plaît? Bah, en vrai, je trouve ça un peu abusé. C'est complètement inadmissible que les prolongateurs ne soient plus autorisés, sachant que c'était un avantage considérable pour les concurrents. Sinon, en vrai, je savais même pas que ça existait, cette mesure. Ah, voilà. Voilà, c'était Mathis Petitbon. Un kilomètre à main chaud. Ouais. Alors je pense que le Téléthon c'est une excellente initiative. Nous étions 100 entre les mille pattes, les triathlètes, les invités, les nageurs. Et donc on s'est bien marré. Voilà, on a bu beaucoup de vin chaud et on est tous bourrés. Comment ça mon ref? Alors salut à toutes et à tous, c'est Loan. Donc c'était pour vous dire ce que j'en pense sur le Téléthon. Et en gros, donc c'est une nouvelle expérience. Alors elle s'est passée l'année dernière aussi. C'est super cool, pendant 4 heures on peut nager, on peut faire du vélo, donc qui sont en dessous du coup, avec la course à pied aussi, donc super bien. En plus, comme vous pouvez voir, une ambiance avec de la musique, voilà, on peut arrêter, et une petite buvette qu'on peut voir ici, jusqu'ici. On peut voir donc une petite buvette avec un eau partenaire. Vas-y. Avec un eau partenaire. Avec un eau partenaire du coup. Donc vraiment du coup c'est super cool. Ça permet de nous un peu nous retrouver et tout. Elle nous défoule les coins un peu, tu vois. D'accord? D'accord. Ok. Je trouve le Téléthon très très bien cette année. Puisqu'il y a des vélos, des tapis de course. Donc on se rapproche plus du triathlon comparé à l'année dernière. Et je suis sûre que l'année prochaine, ça sera encore mieux.
Donc rendez-vous l'année prochaine pour le Téléthon 2023. Ce fut un moment super sympa, c'était très beau. Casse-toi toi. Alors, c'est pour le 7 outre, je vous propose un exposé sur Guernica, la team. Je suis choqué de ce qui vient de se passer là. Je veux m'expulser de cet endroit. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'était le Téléthon à Mâcon par le triathlon Mâcon Club et les 1000 pattes. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Le lien de Air Running est dans la description, vous pouvez aller voir. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine et salut !